Sardava nalalitya loka tranayaka runya gana gana tvam samsarada nalalitya loka tranayaka runya gana raptasya kalyana gunarna vasya Vande Guru Sri Charanarvindam Avasya Kalyanaguna Avasya Vande Guru Sri Charanarvindam Mahaprabhu Kirtana Vichajitam Vaditra Madhyan Manasora Sena Romanchakam Pashu Taranga Bajo Vande Guru Sri Charanarvindam Romanchakam Pashu Taranga Bajo Vande Vande Guru Sri Charanarvindam Vande Guru Sri Charanarvindam Vande Guru Sri Charanarvindam Vande Guru Sri Charanarvindam Sri Vigraharathana Nityanana Shingaratan Mandiramajanada Shri Vigraharathana Nityanana Shingaratan Mandiramajanada Yuktasya Bhaktam Shchanyon Jatopi Vande Guru Sri Charanarvindam Yuktasya Bhaktam Chaturvidau Sri Bhagavat Prasadam Svadvana Triptan Hari Bhakta Sankham Chaturvidha Sri Bhagavat Prasadam Svadvana Triptan Hari Bhakta Sankham Tritvaiva Triptim Vajata Sadaiva Vande Guru Sri Charanarvindam Kripaya Tripti Vajranaya Vande Guru Sri Charanarvindam 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 Sri Radhika Madhavayora Para Mathurya Lila Gunarupa Nana Tikshana svadana lulupasya Vande Guru Sri Charanarvindam Pratikshana svadana lulupasya Vande Guru Sri Charanarvindam
Nikunjayuno Rati Kelisita Yaya Lipir Yuktira Pekshaniya Nikunjayuno Rati Kelisita Yaya Lipir Yuktira Pekshaniya Tatrati Daksha Dati Valabhasya Vande Guru Sri Charanaravindam Tatrati Daksha Dati Valabhasya Vande Guru Sri Charanaravindam Vande Guru Sri Charanaravindam Vande Guru Sri Charanaravindam Vande Guru Sri Charanaravindam Vande Guru Sri Sakshat Haritvena Samastra Shastra Uktastatha Bhavyata Eva Sabhi Sakshat Haritvena Samastra Shastra Uktastatha Bhavyata Eva Sabhi Kintu Prabhurya Priya Eva Tasya Vande Guru Sri Charanaravindam Kintu Prabhurya Priya Eva Tasya Vande Guru Sri Charanaravindam Yasya Prasada Bhagavat prasadam yasya prasadam nagati kutopi yasya prasadam Bhagavat prasadam yasya prasadam nagati kutopi Dayam stuvam stasya yashastri santyam Vande Guru Sri Charanaravindam Dayam stuvam stasya yashastri santyam Vande Guru Sri Charanaravindam 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 Namam Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri
Advaita Gadadhara Shiva Sadi Gaura Bhakta Vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare,
Mirandasya Janandana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Bhishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurum Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitamscha He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sutte Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpataru Vyascha Kripa Sindhu Vyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Nama Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiramyataha Jai Shri Jagannath Shri Baladev Shri Mati Supadra Devi Ki Jai Shri Sudarshan Chakra Ki Jai Shri Shri Ratha Parishishvara Ki Jai Shri Shri Ratha Govinda Ki Jai Shri Shri Nitai Sachi Suta Advaita Chandra Gadathara Shri Vasadi Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai Shri Jagannath Swami Patita Pavana Ki Jai Jai Sitaram Lakshman Hanuman Bharata Shatrughna Yodhya Dhamma Ki Jai
श्री श्री लक्ष्मी नृसिंह प्रहलाद महाराज श्री सुदर्शन चक्र की जय, श्री गुरु परंपरा की जय, सरस्वती देवी की जय, तुलसी महारानी की जय, शील प्रभुपाद की जय, तुत गुलाहोदेव असेंबली, हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, Hare Krishna, chers dévots, nous continuons à étudier Srimad Bhagavatam, donc quatrième chant, 30e chapitre, à partir de verset 41. Manu svayam bhur bhagavan bhavascha yenye tapo jnana vishuta sattva adrishta para apiyan mahima stuvanyato tvatma samam grinima. Ô Seigneur bien-aimé, ni les grands yogis, très avancés du fait de leurs austérités et de leur savoir, et parfaitement établis dans une existence de pureté, ni même de grands personnages comme Manu, Brahma et Shiva ne peuvent pleinement comprendre tes gloires et tes pouvoirs. Malgré tout, ils t'ont chacun adressé leurs prières selon leurs aptitudes respectives. De même, bien que nous leur soyons inférieurs, nous t'offrons également nos prières dans la mesure de nos moyens. Cela est rapporté par sa divine grâce Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Brahma, Shiva, Manu, le Père de l'humanité, de grands et saints personnages, ainsi que d'illustres sages qui se sont élevés jusqu'au niveau de la transcendance par l'austérité, la pénitence et le sacrifice, possèdent tous un savoir imparfait si on les compare au Seigneur suprême. Et c'est le cas de tous les êtres en ce monde. Nul ne peut égaler le Seigneur suprême en quoi que ce soit, et à plus forte raison en ce qui concerne la connaissance. Aussi, toute prière adressée au Seigneur est toujours incomplète. Il s'avère impossible de mesurer complètement l'étendue de ses gloires, car il est infini. Lui-même, sous sa forme d'Ananta ou Shesha, ne peut complètement décrire ses propres gloires. Bien que Ananta possède des milliers de bouches, et qui glorifie le Seigneur depuis d'innombrables années, jamais il ne trouve de limite à sa grandeur. Il est donc impossible de parfaitement estimer les pouvoirs et les gloires du Seigneur suprême. Néanmoins, tous ceux qui pratiquent le service de dévotion peuvent adresser au Seigneur des prières simples, mais fondamentales. Vu la situation relative de tous les êtres en ce monde, personne ne peut glorifier parfaitement le Seigneur. En commençant par Brahma et par Shiva, pour en arriver à nos propres personnes, tous les êtres sont des serviteurs du Seigneur suprême. Nous occupons tous une position relative selon notre karma. Néanmoins, chacun d'entre nous peut adresser des prières sincères, dans la mesure où nous pouvons apprécier les gloires du Seigneur. Ce sera là notre perfection. Même celui qui vit dans les ténèbres les plus profondes a le droit d'adresser des prières au Seigneur selon ses capacités personnelles. C'est pourquoi le Seigneur déclare dans la Bhagavad Gita 9.32 « Mani parta vyapashritya yepi suya papa yonaya triyo vaishyastatha shudras tepi yanti parangatim » Quiconque prend refuge en moi, ô fils de Brita, fût-il de basse naissance, une femme, un Vaishya ou même un Shudra, peut atteindre le but suprême. Celui qui, avec sérieux, se réfugie au pied par les lotus du Seigneur, est purifié par sa grâce
et par celle de son serviteur. C'est ce que confirme Shukadev Goswami. Yenye chapapa yad apastraya straya shudyanti tasmai rabha vishnave namaha. Celui qui a été guidé par le serviteur de Dieu, le maître spirituel, jusqu'au refuge que sont les pieds parés de lotus du Seigneur, sera certainement purifié, quel que soit son rang. Il sera alors digne de retourner en sa demeure originelle auprès de Dieu. Jai, Hare Krishna. Donc nous continuons toujours dans l'épisode où Seigneur Suprême, Kshirodakasha Vishnu, est apparu devant les 10 frères Pracheta et qui a donné encore une fois son enseignement et ses bénédictions à 10 frères. Et quand le Seigneur Suprême a fini son discours, les 10 frères Pratchett, ils ont répondu à Seigneur Suprême. Ce qui est intéressant et ce qui est extraordinaire, c'est que en fait, toute cette situation, si on observe attentivement, se passe sous l'eau. En fait, ils ne sont pas encore sortis de l'eau, ils se trouvent sous l'eau. Et en fait, Seigneur Suprême est apparu sous l'eau, il leur a parlé sous l'eau et ils sont en train de répondre sous l'eau. Donc, nous pouvons dire que, mais comment ça se passe, etc. Donc, ici, nous devons comprendre que, en fait, cette situation est assez intéressante à analyser parce que, en fait, l'apparition de Seigneur Suprême ainsi que l'observation de Seigneur Suprême ne dépend pas des conditions matérielles. Par exemple, quand vous êtes en train de dormir et dans votre rêve, Seigneur Suprême apparaît, donc il n'a pas besoin d'allumer la lumière pour que vous le voyez. Il n'a pas besoin d'autres conditions pour être en contact avec nous. Ainsi que nous devons comprendre que quand Seigneur Suprême rentre en contact avec son dévot, il donne certains pouvoirs à son dévot pour que son dévot puisse l'admirer et observer. À la fin de leur discours, Shimatreya Muni décrit qu'ils étaient très regrettés que Seigneur Suprême est parti parce qu'ils n'ont pas assez observé Seigneur Suprême. Ça veut dire qu'ils étaient admirés avec les yeux. En fait, quand on dit les yeux, il faut bien comprendre que la faculté de voir ne dépend pas des yeux. Hein. La faculté de voir dépend de la conscience. Ainsi que voir, entendre, goûter, sentir, etc. Tout cela, c'est une différente faculté de la conscience. Juste les organes des sens, les organes des sens, on les appelle les portes. Hein? Ça, c'est important à comprendre parce que tout ce qui se passe ne se passe pas dans l'œil. Vous comprenez? En fait, quand nous voyons, ça ne se passe pas dans l'œil. Hein? C'est comme quand vous voulez faire un courant d'air pour entrer l'air, vous ouvrez la porte et l'air passe. Okay? Pareil, en fait, la faculté de voir ou la capacité de voir ne dépend pas de l'œil, parce que l'œil, c'est juste l'espace.
passer l'information. Mais ce que nous voyons, en fait, ça se passe dans la conscience. OK? Donc, nous pouvons constater que les 10 frères Pratchetta, ils étaient en train d'admirer le Seigneur suprême pendant qu'il parlait. Et en fait, cette admiration est extraordinaire parce que celui qui contemple le Seigneur suprême, il voit sa beauté, il voit sa richesse, il voit son renoncement, il voit sa gloire, sa force, etc. Okay? Donc, pourquoi? Parce que, en fait, Seigneur suprême est Purna, hein, comme décrit Ishopanishad. Donc, Seigneur est Purna, il est complet, il est un. Okay? Il est complet. Donc, ça veut dire qu'il a toujours ses capacités. Il a toujours ses Dastayana. Non, c'est opulence, ses opulences. Hein. Seigneur suprême, il a toujours ses opulences et il ne perd pas ses opulences. Hein. Par exemple, quand bientôt on va célébrer l'apparition de Shiva Manadev, quand Shiva Manadev est apparu sur l'arène de sacrifice, comme un petit brahmana, un jeune garçon brahmana, il a montré toute sa richesse, toute sa force, etc. etc. Hein, tous ces 6 opulences qu'on cite souvent, il a montré sur place. Hein. Là, bientôt, on va parler plus en détail de ça. Même quand Krishna est apparu comme un Matsya Avatara, comme un énorme poisson. Donc, il ne montrait pas les facultés d'un poisson. On pense qu'on pouvait regarder Matsya Avatara et penser que c'est un poisson. Non. Quand on regarde Matsya Avatara sous la forme d'un poisson, on a immédiatement l'impression que c'est de la personne suprême. Pourquoi ? Parce qu'un poisson ne peut pas avoir toute la beauté, un poisson ne peut pas avoir toute la richesse, toute la force, tout le renommé, etc. Vous voyez ? Peut-être il y a un poisson qui est un peu plus fort que les autres, comme, je ne sais pas, le baleine ou autre, mais nous voyons quand même que ses capacités sont limitées. Tandis que quand le Seigneur suprême arrive, il se manifeste dans ce monde matériel, peu importe la forme qu'il prenne, cette forme ne réduit pas ses capacités. Okay? Donc, et ici, les 10 Pratchettes, ils disent que, en fait, personne, hein, personne, même les grands dévots, comme Shiva, comme Vishnu, comme Shiva, comme Brahma, comme Manu, ils n'arrivent pas à comprendre jusqu'au bout Seigneur suprême. Pourquoi ils n'arrivent pas à comprendre Seigneur suprême jusqu'au bout? Même Seigneur suprême lui-même ne peut pas comprendre ses capacités, ses opulences lui-même. Pourquoi ? Parce qu'en Seigneur suprême, il y a celui qui est le possesseur de toute opulence et celui qui essaie de comprendre ses opulences. En fait, celui qui est le possesseur d'opulence, il a infiniment d'opulence. Et celui qui est en train d'observer et comprendre celui qui a toute opulence, ses capacités de perception sont aussi sans limite. Vous imaginez la situation? Okay?
Donc ça veut dire c'est deux personnes à un ne peuvent pas en fait arriver à un point mort au-delà de laquelle il n'y a plus de développement. Vous comprenez, c'est extraordinaire. Dès que Krishna arrive à ses entre guillemets limites de la connaissance, lui-même Krishna, l'autre Krishna entre guillemets, il montre plus d'opulence. Quand il montre plus d'opulence, l'autre Krishna, qui est l'observateur, il montre encore plus de force d'observer et de compréhension. Ok? Donc, et ça s'arrête pas. Donc, cela est possible seulement dans le cas de Seigneur Suprême, parce que toute autre personne dans ses opulences, dans ses petites opulences, sont limitées. Okay? Donc, ici, les Prachetas, il explique en fait que les yogis mystiques ne peuvent pas atteindre le Seigneur suprême jusqu'au bout, même s'ils ont purifié leur corps, même s'ils ont fait des austérités, même s'ils ont étudié les livres, même si ce sont des personnes qui avaient toutes leurs facultés extraordinaires dès leur naissance, comme par exemple Shiva. Hein. Quand Shiva apparaît de front de Brahma, quand Shiva apparaît, il est né déjà avec toutes ses qualités. Hein. C'est pas comme ça que petit à petit, Shiva commence à se purifier ou il commence à acquérir des qualités extraordinaires, etc. Donc, dès sa naissance, il a tout le pouvoir de Shiva. Okay. Donc, okay. Et même lui, il n'arrive pas à comprendre jusqu'au bout Seigneur Suprême. Hein. C'est très difficile. Comme par exemple, quand Seigneur Suprême, dans l'histoire de barattage de l'océan de lait, quand Seigneur Suprême est apparu aux demi-dieux et aux démons sous la forme de Mohini Murti, Seigneur Shiva n'était pas présent. Mais après, quand Mohini Murti était parti, donc vous connaissez Mohini Murti, c'est une forme que Seigneur Suprême, c'est une forme féminine que Seigneur Suprême a pris pour apparaître et se divertir dans cette histoire. Et Seigneur Shiva a entendu que Krishna est venu sous cette forme et il était très perplexe. Il était très perplexe. Comment c'est possible que Seigneur Suprême, qui est vraiment dans toutes ses formes, il est masculin, dans les couples avec Radha Krishna, Lakshmi Narayana, etc. Donc comment c'est possible qu'il est apparu sous la forme féminine. Voyez, il s'est posé la question. Brahma, hein, pourquoi les Prachetas donnent l'exemple de Brahma, hein? Quand Brahma a vu petit Krishna à Vrindavan, il n'a pas compris. Quand on lui a dit que c'est Seigneur Suprême, il a dit non, comment Seigneur Suprême peut être aussi petit, comment il peut manger le reste dans les assiettes de ses copains, etc. C'est pour ça qu'il a volé ses amis et les veaux pour voir est-ce que c'est vraiment, il s'agit de Seigneur Suprême. Les quatre Kumars aussi, ils étaient perplexes quand ils ont vu les divertissements de jeunes garçons Krishna avec les gopis. Ils sont allés voir l'autorité, leur père.
Parce que leur père était leur gourou aussi, hein, leur autorité. Et ils ont demandé, Brahma, tu as dit que ce garçon est Dieu, la personne suprême. On te croit, mais ce que nous voyons ne correspond pas à cette idée de Dieu, la personne suprême, car nous voyons un jeune garçon en concupiscent qui court les filles chaque soir. Et où est le lien de la personne suprême et ce jeune garçon qui s'amuse avec les filles? Ça, on ne comprend pas. Et Brahma a dit, ben, finalement, vous savez que moi-même, j'ai des difficultés à comprendre ça. Donc, je vous ai donné juste quelques petits épisodes où on voit que les gens aussi avancés ne comprend pas la vraie personnalité de Krishna. Lui-même, Krishna dit dans la Bhagavad Gita que parmi les gens qui atteignent la perfection, c'est seulement certains qui arrivent à me comprendre. Même parmi ceux qui m'ont compris, c'est difficile de trouver une personne qui m'a compris véritablement. Vous voyez, donc, c'est compliqué à comprendre la personnalité de Krishna. Qu'est-ce que c'est, en fait, comprendre, hein? Par exemple, quand je vous explique comment se cuisine un sabji, vous pouvez comprendre, parce qu'il y a certaines choses que nous mélangeons, par exemple, on verse de l'huile, on coupe les légumes, etc. Ça, vous comprenez, et selon votre compréhension, vous faites un sabji. Mais qu'est-ce que ça veut dire comprendre Krishna? Qu'est-ce que ça veut dire comprendre Krishna qui est dans la catégorie de achintya? Achintya, c'est ce qui est impossible à percevoir. Okay. Donc, si vous vous souvenez, par plusieurs reprises, nous avons parlé que achintya ne veut pas dire que c'est impossible à comprendre, hein. Inconcevable. Le mot inconcevable n'exclut pas la compréhension et hein, perception. Oui. Ça n'exclut pas la perception, hein, ou la compréhension, ça n'exclut pas. Mais ça ne veut pas dire que c'est deux concepts contradictoires. D'un côté, achintya, ça veut dire inconcevable, et d'autre côté, on dit qu'il est concevable. Okay? Donc, Seigneur suprême est inconcevable et concevable en même temps. Il est inconcevable parce qu'il n'a pas de limites. Ses limites n'existent pas. Okay? Et d'autre côté, il est concevable parce que au niveau de degré de notre conscience et au niveau de degré de notre dévotion, nous pouvons concevoir ce Seigneur suprême. Est-ce que j'ai bien expliqué ça? Vous comprenez? Donc, quand est-ce que le Seigneur suprême a des limites et quelles sont les limites qu'on impose sur le Seigneur suprême? Ce sont les limites de notre conscience. C'est notre conscience. C'est pour ça que dans certaines tradition religieuse, les fidèles de telle ou telle religion, par leur niveau de la conscience, ils limitent Seigneur suprême. On peut dire délimitent. Oui, ils délimitent Seigneur suprême. Nous, par exemple, les chrétiens, quand on parle de Seigneur suprême en disant qu'il a une épouse éternelle, ils disent « Oh, ça, c'est une offense directe
comment Dieu, il ne peut pas avoir une femme, etc., etc. Donc, ça veut dire, en pensant comme ça ou en mettant une théorie pareille, nous pouvons penser que Dieu ne peut pas faire quelque chose. Donc, il n'est pas un absolu, donc il y a des choses qu'il n'arrive pas à faire. Donc, il ne peut pas se marier. Hein? Tandis que moi, je peux me marier parce que je suis plus puissant et plus fort que Seigneur suprême. Mais, en effet, pourquoi? Parce que ces personnes-là qui mettent ce concept, ils n'arrivent pas à concevoir que avoir une femme, ça ne veut pas dire avoir une simple relation sexuelle comme dans leur tête ça tourne. C'est que Seigneur suprême, quand il se marie, sa femme, par exemple Shrimati Radharani, est une partie de lui. C'est une partie de lui. Donc, c'est une partie de lui. Hein? Donc, à part Seigneur suprême, il n'y a rien qui existe. Hein? Tout ce que nous pouvons voir, entendre, toucher, etc., tout cela, c'est diverses manifestations de Seigneur suprême. Hein? Et ils sont, en fait, tout cela, c'est des manifestations de ces diverses énergies. Si Seigneur suprême, lui-même, il est achintya, ça veut dire il est inconcevable, donc ces énergies sont aussi inconcevables. Hein? Atma, l'âme, hein? L'âme qui est la partie la plus minimale de Seigneur suprême, hein? On pense que c'est, donc si c'est la plus petite particule de Seigneur suprême, donc ça sera facile à comprendre, mais pas du tout, parce que Atma, Shakti, hein, est aussi inconcevable. Pourquoi? Parce que Krishna est inconcevable aussi. Nous pouvons penser, oui, mais quand même, il y a des limites de l'âme, oui, mais en fait, Atma Tattva est très compliqué, parce que la connaissance sur l'âme est très compliquée, parce que l'âme est liée directement à Seigneur suprême. En fait, nous sommes une particule inséparable. Srila Prabhupada et les Shastras soulignent toujours ça, que l'âme ou l'atma est inséparable, une partie inséparable de Seigneur suprême. En même temps, c'est une partie, c'est une particule, mais inséparable. Donc, ça veut dire, pour comprendre qu'est-ce que c'est une goutte d'eau, on doit comprendre qu'est-ce que c'est l'eau en général. Okay. Qu'est-ce que c'est les capacités de l'eau. Okay. Parce que sinon, on va attribuer à une goutte d'eau, on va attribuer ce qu'une goutte d'eau ne peut pas faire. Et si on comprend que l'eau, une goutte d'eau a telle ou telle capacité, en ignorant qu'une goutte d'eau fait partie de l'eau, on peut attribuer à l'eau les qualités limitées. Hein? Par exemple, si on prend une goutte d'eau, okay, et on met sur une grande feu, okay, l'eau va disparaître. Okay, et le feu va continuer à brûler. Donc, comme ça, qu'est-ce qu'on peut
dire, on peut faire une conclusion que, en fait, nous ne pouvons pas éteindre le feu par l'eau. Pourquoi ? Parce que nous ne connaissons pas l'eau, on connaît juste la goutte d'eau. Okay ? Mais si on étudie une goutte d'eau avec l'eau, en général, comme l'eau d'océan par exemple, ou de la rivière, nous comprenons que, en fait, si un seau d'eau peut éteindre le feu, ok, donc ça veut dire une goutte d'eau aussi peut éteindre l'eau, le feu, si le feu est plus petit qu'une goutte d'eau, ok. Donc, mais les Pratchett, ils disent que malgré le fait qu'on ne comprend pas ta grandeur, ta beauté, ta puissance, même si Seigneur Shiva ne comprend pas, même si Svayambhuvaman ne comprend pas, ils continuent à t'adresser leurs prières selon leur compréhension. Ça, c'est quelque chose qu'on doit qu'on doit bien comprendre. Parce qu'en effet, chacun entre nous, quand nous prions, on lance notre prière est selon notre compréhension du Seigneur suprême. Nous ne pouvons pas dépasser. Si on dépasse, en fait, dans nos prières, on dépasse le niveau réalisé, hein, et on commence à prier sur les sujets que nous n'avons pas réalisés, ça met en péril notre relation avec Seigneur suprême. Hein. Ça, nous devons comprendre absolument. Des fois, nous voyons les dévots qui lisent des livres comme Bhakti Rasamrita Sindhu ou 10e chant de Srimad Bhagavatam, où il y a les relations entre les gopis et Krishna, et quand les acharyas disent que ce sont les meilleures relations entre Krishna et l'être vivant, c'est la relation dans le Mathura Rasa, et tout le monde veut avoir des meilleures choses, et ils commencent à s'imaginer qu'ils sont des gopis, ils commencent à faire des fausses prières en disant « Oh, la beauté de Vrindavan, oh Seigneur, je ne peux pas dormir sans toi, etc. » Ils commencent à faire des poésies. Moi-même, j'ai lu une centaine de poésies comme ça, écrites par les dévots qui sont fausses parce qu'il n'y a pas ces sentiments-là. Et quand nous n'avons pas ces sentiments-là et nous adressons ce genre de choses à Seigneur suprême, c'est une forme d'idolâtrie. C'est une forme d'idolâtrie. Ça veut dire que on ajuste l'image et la personnalité de Seigneur suprême à nos besoins. Vous voyez ? Ça, c'est vraiment une idolâtrie. Voilà pourquoi, en fait, les fausses prières qui ne correspondent pas à nos réalisations, en fait, font une sorte d'idolâtrie. Hein? Est-ce qu'on veut, avec une force, faire de telle sorte que, comme Krishna est mon mari. Et pourtant, en réalité, j'ai aucun sentiment de Mathura Rasa, j'ai aucun sentiment de gopi, etc. Okay. Donc, encore une fois, dans nos prières, nous devons rester sincères et prier à un autre niveau, à notre niveau de la réalisation de Krishna. On va lire le verset suivant. Verset 42.
Ô Seigneur bien-aimé, tu n'as ni ami ni ennemi, c'est pourquoi tu es égal envers tous. Aucun péché ne peut te souiller et ta forme spirituelle transcendante à jamais, pardon, et ta forme spirituelle transcende à jamais la création matérielle. Tu es Dieu la personne suprême, car tu résides en tout lieu, en tout ce qui existe. Ce pourquoi on te nomme Vasudeva. Nous t'offrons notre hommage. Merci. Donc, les dix frères Pratchett, ils disent que nous suivons l'exemple de Shiva et de Brahma et nous n'avons pas leur niveau, mais nous adressons nos prières à toi selon notre niveau. Ils disent que nous, on est avec notre niveau, nous sommes très bas, mais quand même, on se permet de t'adresser nos prières sans dépasser notre réalisation. Ça veut dire qu'on va prier selon notre réalisation. Donc, c'est une chose importante hein, qu'ils disent. Par la suite, les Pratchett disent que, cher Seigneur, tu n'as pas ni ennemi ni ami. Souvent, les dévots n'arrivent pas bien à comprendre cette phrase. Quand on dit que Dieu n'a pas d'ennemi, ça ne veut pas dire que quelqu'un déteste Seigneur et voici. Par exemple, il y a des démons qui offensent Krishna, qui n'aiment pas Krishna, qui détestent, qui hait Krishna. Mais Krishna ne les hait pas. Krishna ne les hait pas. Krishna ne les hait pas. Vous comprenez la différence? Peut-être pour eux, par exemple pour Hiranyakashipu, Krishna était un ennemi. Mais pour Krishna, Hiranyakashipu n'était pas un ennemi. Vous comprenez? Pourquoi? En fait, par exemple, quand vous voyez un petit papillon tout doux qui papillonne, qui vole comme ça, vous ne le voyez pas comme votre ennemi. Hein? N'est-ce pas? Mais quand la même personne, avant d'être un papillon, est un... Comment ça s'appelle? Un chenille. Hein? Quand il est sous la forme d'un chenille, et vous ouvrez votre placard et vous voyez qu'il a mangé tout votre riz, et tout de suite, il devient votre ennemi. Mm-hmm. C'est important pour comprendre. C'est la même personne. Okay? Tant que cette personne n'a pas touché mon bien, n'a pas nuit à mon bien, à moi, il est dans la catégorie d'amis. Dès qu'il a touché quelque chose qui m'appartient, il est dans la catégorie d'ennemis. Okay? Maintenant, voyons, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nuire Seigneur suprême? Personne. Vous voyez, pourquoi? Parce que Seigneur suprême est absolu. Ok, donc on ne peut pas lui nuire, peu importe la plateforme, soit plateforme impersonnelle, soit la plateforme locale comme Paramatma, soit plateforme Bhagavan, soit plateforme Murti ou autre. Donc nous ne pouvons jamais nuire Seigneur suprême. Et ça nous aide à comprendre aussi la nature des offenses. Hein? Quand on fait l'offense à Krishna, ça ne veut pas dire que comme ça nous avons détruit Krishna. Non, on a détruit nous-mêmes, nous avons détruit notre relation avec Krishna. C'est ça l'offense. Parce que si on se rentre avec des chaussures dans le temple ou on se met au dos
contre des murtis, où on marche sur les pieds de gourous. Okay, tout ça, c'est des offenses, mais ça ne nuit pas la personne que nous avons offensée. L'offense est en nous. Donc, si par exemple, nous prenons la jalousie ou la haine, hein? Par exemple, je déteste Brat. Okay? Quand je déteste Brat, qui souffre, Brat ou moi? Moi, n'est-ce pas? Vous comprenez? Pareil dans l'offense aussi. Hein? Donc, ce n'est pas que nous avons offensé quelqu'un comme Krishna et Krishna souffre. Non, c'est nous qui allons souffrir. Vous comprenez? C'est pour ça que les Prachet, ils disent que il n'a pas ni ennemi ni ami. Pourquoi aussi ils disent qu'il n'a pas d'ami? Parce que Krishna est sur la plateforme transcendantale où la notion de ami ennemi n'existe pas. Il n'a pas ces deux listes, ami ennemi. Krishna connaît le passé, le présent et le futur. Okay? Donc quand Krishna se bat avec Hiranyakashipu, okay, il connaît qui est Hiranyakashipu. Okay? Ou dans le monde spirituel, pareil, il y a ceux qui sont les amis, il y a ceux qui sont les parents, les enfants, etc., etc. Donc il y a différentes formes. Et une pierre dans le monde spirituel, c'est une pierre de Krishna. Hein? Ou un arbre de Krishna, ou un chien de Krishna. Il est ni ami, ni ennemi. Hein? Cette catégorie ami et ennemi, c'est juste des choses jouées. Hein? On joue ça. Hein? On joue. En réalité, même dans le monde matériel, c'est un grand jeu. Être ami ou ennemi de Krishna, c'est un grand jeu dans le monde matériel. Sauf que certaines le comprennent et certaines ne les comprennent pas. Tout dépend de quantité de tamas et rajas absorbés. Voilà pourquoi Uttama Adhikari, le meilleur des dévots, il est impartial envers tout le monde, comme Krishna, qui est impartial. Parce que Krishna voit la personne aussi dans le futur. Nous, on ne voit pas. Par exemple, si quelqu'un est mon ennemi, okay, et on me montre que comment dans la vie suivante, il va devenir mon fils ou ma fille adorable. Donc, en fait, je ne peux plus le voir comme quelqu'un nuisible ou mauvais. Pourquoi? Parce que je vois que voilà, bientôt, ça sera une personne que je vais adorer, etc. Vous comprenez la nuance? Donc, parce que Krishna a cette capacité, cette faculté, cette qualité, donc, il ne peut pas considérer quelqu'un comme son ami ou ennemi. Hein? Ici, le mot ami n'est pas utilisé comme le mot comme sakya, comme rasa. Ici, le mot ami est utilisé comme le bienveillant. Okay? C'est comme dans le 9 types de bhakti, quand on dit sakya, il ne s'agit pas de rasa, on dit de la bienveillance, être amical. Ok. Ensuite, les Prachet ils disent, comme nous avons bien expliqué, que la forme de Seigneur suprême est toujours au-delà de la création matérielle. Ça, j'aimerais bien vous expliquer. Je ne sais pas si vous êtes fatigué ou ça va. Donc, pourquoi la forme de
de Krishna est au-delà de la portée de monde matériel et création matérielle. Pourquoi? Parce que, en fait, le monde matériel qui est perceptible à travers nos sens, il est construit à travers la conscience des êtres vivants. En fait, imaginez que cette énergie matérielle, elle est comme une matière qui se transforme sous l'influence de la conscience de la personne. Ma conscience, en fait, qui touche l'énergie matérielle, cette énergie matérielle prend telle ou telle forme. Pour que ma conscience soit dirigée vers l'énergie matérielle, il faut que ma conscience soit guidée ou canalisée par Ichcha Shakti, par l'énergie de désir. Par exemple, si je n'ai pas le désir d'avoir une maison, je ne vais pas le construire. Vous comprenez? Donc, j'ai la conscience d'une maison. Mais tant que cette conscience d'avoir une maison n'est pas accompagnée avec le désir d'avoir une maison, ma conscience ne va pas rentrer en conscience avec l'énergie matérielle. Donc, en fait, vous voyez, mon corps, c'est le résultat de désirs qui accompagne ma conscience. C'est le désir d'être. Désir d'être, c'est un désir hyper, hyper important. Ce corps et cette forme existent parce que j'ai le désir d'être. Vous comprenez? Et selon ma conscience, l'énergie matérielle construit ce corps. Okay? Mais Krishna, comme disent des Prachets, il est au-delà de la portée de l'énergie matérielle. Parce que l'énergie, pour se manifester, Krishna n'a pas besoin de cette énergie matérielle. Son existence n'est pas liée avec l'énergie matérielle. Et pourtant, Krishna peut utiliser l'énergie matérielle qui est accessible et perceptible à nos yeux pour se manifester. Par exemple, Krishna peut entrer dans les murtis, okay, et créer un contact avec lui à travers les murtis. Murtis sont faites de, par exemple, notre Jagannath, Baladev Subhadra et Sudarshan Chakra, ils sont fabriqués de bois et de la peinture. Okay? Mais ça ne veut pas dire qu'autrement, on ne peut pas voir Seigneur Suprême, parce que les mêmes formes de Jagannath peuvent apparaître dans votre pensée. Vous pouvez faire regarder Jagannath derrière moi, et après fermer les yeux, vous allez continuer le voir. Vous allez continuer le voir. Ok? Parce que, comme ça, Krishna, en fait, à la place d'utiliser le bois et la peinture, il utilise mon intellect, ma conscience, il l'utilise et il se manifeste à travers l'intellect et la conscience. Okay? Mais Krishna peut aussi apparaître directement à ma propre nature en montrant Chit Shakti. En utilisant Chit Shakti, il peut montrer sa forme. Mais pour voir Chit Shakti, il faut avoir une conscience de Krishna. Nous avons parlé au début de notre conférence, nous avons parlé de la conscience, n'est-ce pas? Et nous avons dit que, en fait, la capacité de voir, c'est la faculté de la conscience. Ok? Donc, et si notre conscience est conscience Krishna, ok? Donc, cette conscience Krishna permet
percevoir Krishna sous la forme de Chit Shakti ou Yoga Maya ou autre. Vous voyez? C'est assez nuancé. C'est pour ça que Krishna ne dépend pas de l'énergie matérielle. Il peut se manifester comme il veut. Hein? Il peut se manifester directement dans le cœur, dans les sens d'un être vivant. Okay? Tandis que moi, je ne peux pas vous apparaître autrement. Comment je peux vous apparaître autrement, hein? Qu'à travers ce corps. Si demain je vais venir dans un autre corps, dans un corps d'une jeune fille, et je vais m'asseoir ici, personne parmi vous va croire que c'est moi, que c'est Akshayananda. Même si je vous dis que je suis Akshayananda et je vais vous donner la même classe sur Srimad Bhagavatam, je suis sûr que vous n'allez pas croire. Parce qu'en fait, nous sommes tellement convaincus et tellement habitués à comment fonctionnent nos sens qu'on ne va pas croire à ça. Hein. Par la suite, les Prachets disent que ta forme transcendantale est présente partout. Et voilà pourquoi on te nomme Vasudeva. Srila Prabhupada explique que le mot Vas veut dire vivre. Aussi, Vas ou Vas veut dire les sens. Donc, en fait, quel est le lien, hein? Donc, d'un côté, le mot Vas veut dire vivre, d'autre côté, le mot Vas veut dire les sens. En fait, le ressenti d'être vivant dépend des sens. Tant que nos sens sont allumés, nous avons la sensation d'être vivant. Par exemple, si vous touchez les objets et vous sentez rien, si vous ouvrez les yeux et vous voyez rien, si vous n'entendez rien, etc. Donc, ce qui va se passer, c'est que votre perception de soi-même ou que vous existez, ça va réduire. Hein? Encore et encore, ça va réduire. Pourquoi ? Parce que comment vous savez que vous êtes vivant ? Parce que vous sentez que vous touchez, vous bougez, vous voyez, n'est-ce pas ? C'est comme ça que vous prouvez à vous-même que vous êtes vivant, grâce à la présence des sens. OK ? Ça veut dire avoir des sens qui marchent égale que je suis vivant. Okay? C'est pour ça que le mot « vas » veut dire en même temps « vivre » et en même temps l'essence. Mais encore une fois, le mot complet, c'est « vasudeva ». Ça veut dire que c'est « deva », c'est le Dieu. Ça veut dire Krishna est Dieu ou le maître des vas, des sens. Il est le maître des sens. Qu'est-ce que cela signifie, être maître des sens? Ça veut dire les sens sont perceptibles d'une façon normale quand nous sommes en train de maîtriser nos sens. Quand les sens ne sont pas maîtrisés, hein, par exemple, un de nos sens n'est pas maîtrisé, nous perdons le lien avec les autres sens. Hein? Comme par exemple quand le mental est excité, hein, quand le mental est excité, il n'est pas contrôlé, donc on n'a plus de lien avec l'intellect. Ok? Des fois aussi, par exemple, quand l'intellect est très excité,
très excité, donc nous perdons l'accès à nos autres sens, hein, comme les sens d'action. Par exemple, les jambes, les mains. Vous n'avez pas remarqué, des fois, il y a un état de notre intellect, et quand cet état arrive, donc le mental bouleverse l'intellect, vous êtes incapable de faire quelque chose. Vous êtes assis comme ça. Ce n'est pas parce que vous êtes fatigué, vous n'êtes pas fatigué, mais vous ne pouvez plus bouger. Pourquoi ? Vous ne pouvez plus bouger parce que, en fait, cela est, l'intellect n'est pas maîtrisé. OK ? Donc, ça veut dire qu'il est perdu. Donc, dès que... On a donné deux exemples. Par exemple, dans le cas d'excitation mentale, on a perdu l'intellect. Dans le cas d'excitation d'intellect, nous avons perdu les mains et les bras. Okay? Donc, et Vasudeva, ça veut dire que Krishna est le seul qui maîtrise 100% ses sens. Okay? Et ça veut dire que c'est lui qui vit. Hein? Qui vit, vraiment vit à 100%. Pourquoi, en fait, dans la catégorie de Vasudeva, Sankarsana, Pradyumna et Aniruddha, ces quatre manifestations de Krishna, en fait, il y a un qui est spécialement Vasudeva, qui est le manifestant et le contrôleur d'intellect, de conscience, de savoir. Parce que si cela n'est pas contrôlé, donc le reste perd son contrôle. Et c'est pas juste suffisant que nous avons nos sens, il faut, pour les percevoir et avoir le sentiment de vivre, il faut que l'être vivant arrive à maîtriser ses sens. En fait, chez les animaux, c'est un peu plus simple. Pourquoi ? Parce que, par défaut, les animaux sont nés avec une certaine maîtrise des sens programmée. Ça, c'est important. Nous, l'homme, il est aussi programmé partiellement, mais la diapason des sens libres sont énormes. La diapason est très très élargie et souvent ça nous met en fait en problème de contrôle des sens. Voyez? Par exemple, chez un animal, hein, par exemple une vache, elle a mangé ses herbes. Dès que son estomac est rempli, elle s'arrête. C'est une fonction par défaut mise dans son corps. L'homme, il a mangé une assiette, après deuxième assiette, troisième assiette, cinquième assiette, et après il dit, il ne faut pas que tu manges du sucre parce que tu as diabète, etc. Et il continue à manger, etc. Vous voyez? Donc ça veut dire on nous laisse libre. Donc l'espèce humaine, cette forme humaine, est pour qu'on puisse pratiquer la conscience Krishna. Et c'est pour ça que Krishna laisse dans cette forme une grande diapason de liberté. De liberté et, par exemple, une vache ne va pas jeûner. Vous comprenez ? Est-ce que vous avez vu une vache qui a décidé de jeûner parce qu'elle va dire « j'ai pris 2-3 kilos » Non. Une vache ne va pas jeûner. Hein. Je ne sais pas, un serpent ne va pas faire les austérités, etc. Pourquoi ? Parce que par défaut, c'est interdit. Par défaut, ils ne vont pas jeûner. Par défaut, ils ne vont pas faire une austérité.
Vous comprenez? C'est pour ça que la forme animale n'est pas adaptée pour une pratique spirituelle. L'homme, oui. OK? L'homme, oui. Et nous devons essayer de contrôler nos sens en suivant, en fait, l'exemple de Krishna. Donc, pour aujourd'hui, on va s'arrêter ici. Donc, bientôt, on va finir ce chapitre. Donc, les 10 frères Pracheta vont sortir de l'eau. Et après, ils vont se marier. Et après, dans le chapitre suivant, ils vont rencontrer Narada Muni. Et là, c'est aussi très, très extatique. OK, Hare Krishna, chers devants. Si vous avez des questions, des commentaires. Tiens. À Indra Prabhu. Merci beaucoup pour la conférence. J'aimerais bien revenir à votre explication pourquoi le Seigneur, il peut ne pas comprendre complètement soi-même sa richesse. Oui. Et vous avez donc donné un exemple comme quoi on peut imaginer deux personnes. Et une personne, donc c'est une personne qui comprend, enfin, dont la compréhension évolue, et une autre personne dont la richesse évolue. Et à un moment donné, donc, la personne qui comprend, il voit la richesse sans limite et inversement. Mais cet exemple, enfin, dans ma compréhension en tout cas, dans cet exemple, il existe la notion du temps. Parce que toute évolution, elle se passe dans le temps. Mais Seigneur suprême, il est au-delà du temps. Il n'a pas besoin de temps. Enfin, le temps, c'est juste son énergie. Donc, comment comprendre ça sans faire appel à la notion du temps? Krishna manifeste infiniment type d'énergie. Mais on peut les catégoriser. Il y a trois catégories d'énergie. Il y a Santini Shakti, l'énergie d'existence. Samvit Shakti, l'énergie de connaissance ou de conscience. Et Hladini Shakti, l'énergie de plaisir. Donc le temps est dans la catégorie de Sandini Shakti. Parce que le temps assure la perception d'existence. Si par exemple on ne t'accorde pas le temps, ton existence, tu ne peux pas, comme si tu n'existes pas. Parce qu'on existe dans le temps. Okay? Mais en fait, le temps dans le monde matériel se manifeste sous la forme relative, le temps relatif, okay, par la perception d'un être vivant. Donc moi, qui est un être vivant conditionné, qui est sous l'influence de tamas, rajas et sattva, okay, de l'ignorance, passion et la vertu. Donc, je perçois le temps sous des trois formes, hein, sous la forme de passé, présent et futur. Mais le temps même, lui, il est absolu. C'est notre perception qui est comme ça. Mais lui-même, le temps lui-même, il est absolu. Okay? C'est ça qui est extraordinaire. Si on comprend comment le temps fonctionne, en fait, le temps nous accorde une certaine mesure de sentir notre existence.
Okay. C'est pas que il y a des énergies qui émanent de Krishna et c'est seulement les êtres vivants qui exploitent ces énergies ou rentrent en contact. Krishna lui-même, il utilise ces énergies pour soi-même. Mais la nuance est, c'est que ces énergies, ils sont autonomes. C'est important de comprendre que les énergies de Krishna sont autonomes. Qu'est-ce que ça veut dire autonome? Ça veut dire qu'ils appartiennent à la source, hein, qu'ils appartiennent à Krishna, mais en même temps, ils sont indépendants, entre guillemets, mais ce n'est pas vraiment le mot indépendance, c'est plutôt autonomie. Autonomie, ça veut dire sans que je dise à Hladini Shakti ce qu'il y a à faire, elle va faire elle-même. Ça, c'est l'autonomie. Hein. Par exemple, Krishna n'a pas besoin de dire à Mahamaya, à l'énergie matérielle, qu'elle met Jagatarini en illusion. Hein. Krishna n'a pas besoin, parce que, en fait, ce qu'elle doit faire, hein, énergie matérielle, ce qu'elle doit faire, est déjà dans ses qualités. Okay? C'est déjà ses propres qualités avec Krishna. Tu comprends? Donc, c'est le contenu de l'élément même. Par exemple, Hladini Shakti, okay, quand on rentre en contact à Hladini Shakti procure une satisfaction, un plaisir à un être vivant. Okay? Mais Krishna n'a pas besoin de dire, bah, tu sais, tu dois donner plaisir à celui-là. Tu vois? Souvent, quand on explique aux gens, aux non-croyants, comment Krishna dirige ce monde, ils pensent à cette façon-là. Donc, il envoie un ordre à Patita Pavana, c'est pareil. Il envoie un ordre à Sacha, il a un ordre à Atmarama. Non. Ces énergies mêmes, contiennent déjà l'ordre selon lequel elles vont agir. OK? Donc le temps, parce que la question était sur le temps. Le temps, c'est un phénomène absolu. Okay. Donc, Krishna se manifeste extérieurement comme le temps. En fait, toutes les énergies de Krishna, c'est sa manifestation extérieure. C'est la manifestation de ses qualités. Donc, toutes les énergies, hein, par exemple, l'énergie de l'illusion, l'énergie de désir, d'existence, de savoir, de peur, etc., etc. Ce sont des manifestations extérieures de ces qualités. Parce que chaque énergie, c'est une qualité. Okay? Donc, Krishna utilise ces énergies, mais sans faire l'effort. Parce que ces énergies, elles savent ce qu'elles doivent faire. Donc, Krishna ne donne pas les ordres spéciaux, etc. Par exemple, quand Krishna fait des bêtises, hein, donc Mère Yashoda prend un petit bâton pour le punir. Et dès qu'il voit sa mère avec ce bâton, Krishna commence à pleurer parce qu'il a peur. Okay? Donc, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il a peur et il pleure? Parce que il a oublié, il ne se rend pas compte qu'il est Dieu, la personne suprême. Donc Dieu, la personne suprême, ne doit pas avoir peur de Mère Yashoda, d'une femme avec un bâton. Okay? Mais Yoga Maya fait de telle sorte pour qu'il oublie qu'il est Dieu, la personne suprême. Certains commentateurs ils disent qu'il ordonne à Yoga Maya pour qu'il l'influence, pour qu'il ne sente pas Dieu, la personne suprême. En réalité, il n'y a aucune ordonnance. Il n'a pas besoin d'ordonner parce que Yoga Maya, c'est une énergie autonome. Elle sait déjà ce qu'elle doit faire, à quel moment elle doit faire. Hein? Par exemple,
quand il faut que Krishna oublie qu'il est Dieu, la personne suprême, hein, et l'influence Krishna, elle procure cette situation, et Krishna oublie, il prend plaisir de ce divertissement. Mais au moment quand il faut qu'il agisse comme un Dieu, la personne suprême, le contraire, Yoga Maya retire en fait son influence, son milieu retire, où Krishna commence à se sentir Dieu, la personne suprême. Tu vois la différence. Pareil, le temps en fait, c'est une énergie qui est dans la catégorie d'énergie d'existence. Et en fait, sous sa forme absolue, hein, parce que Krishna n'est pas sous l'influence de tamas, rajas et sattva, donc en fait, il perçoit le temps sous sa forme absolue. Okay? C'est pour ça que son existence est éternelle, selon sa perception. Nous, on pense que oui, bientôt je vais mourir et c'est fini, après je ne vais pas voir ça. Ça, c'est notre tamas, en fait. Hein? Et notre tamas fait de telle sorte que notre perception de temps, sous la forme de passé, présent et futur. Okay? Encore une fois, ce n'est pas le temps, c'est notre perception de temps. Okay? Et le temps, c'est une énergie nécessaire pour sentir notre existence. Tu vois? Krishna utilise toutes les énergies, en fait. Toutes les énergies utilisent pour ses divertissements. Ce n'est pas que les êtres vivants. D'accord, donc ça veut dire que dans cette affirmation que Krishna peut ne pas comprendre toutes ses opulences, ça veut dire qu'il utilise l'énergie du temps aussi pour créer ce divertissement. Non, là aussi, non. Il utilise aussi Sanvit Shakti, l'énergie de la connaissance. Hein, nous avons parlé aussi de Achintya Shakti. Hein? Achintya, c'est inconcevable. En fait, concevable et inconcevable, c'est la même énergie. Hein? C'est la même énergie qui nous procure la conception et non-conception des choses. Concevabilité, je ne sais pas comment dire. Hein? Tu comprends? C'est Sanvit Shakti, en fait, Achintya Shakti rentre dans la catégorie de Sanvit Shakti. Elle est dans cette catégorie. Donc, elle peut. Si on ne doit pas comprendre quelque chose, en fait, elle influence en fait l'être vivant et cet être vivant ne comprend pas. Mais si il faut que cet être vivant comprenne, donc elle retire son influence légèrement et cette personne commence à comprendre quelque chose. Donc pareil, Krishna utilise les mêmes shaktis pour comprendre ou ne pas comprendre, pour percevoir ou ne pas percevoir, pour devenir inconcevable et être concevable. Il utilise tous ses shaktis en lui-même. D'accord, merci. Je peux poser encore une question? Bien sûr. C'est quand vous avez dit que la personne qui ne peut plus bouger les jambes, les bras, que c'est un problème de communication entre l'intelligence et le mental. Non, quand on parlait on a parlé des sens d'action, ouais. Et le l'intellect. Et l'intellect, oui. Mm. Et donc, ma question, c'est par rapport à la dépression. Par exemple, une personne déprimée peut rester sans bouger, même si son état physique et si son mental fonctionne bien. Alors que les animaux, pour lesquels l'intelligence est beaucoup moins développée, mais le mental est aussi développé, ils n'ont pas de dépression. Comment expliquer ce phénomène se basant sur cette structure du corps subtil qui contient donc l'intelligence et le mental? Qu'est-ce qui se passe dans la dépression? En fait, la dépression, c'est une maladie
de l'intellect. C'est le problème d'intellect. Okay? Et comme nous avons dit, quand l'intellect est dans l'état d'excitation, donc le lien avec les membres de corps est perdu. Surtout les membres, ce qu'on appelle karmendriya, les sens d'action, comme les jambes, les bras, etc. etc. Pourquoi ? Parce que, en fait, qu'est-ce que ça veut dire l'excitation d'intellect ? C'est qu'il y a, on appelle ça aussi l'idée fixe. L'idée fixe, c'est qu'il y a une idée qui ne ni évolue et ni résolue. Okay? Ni évolue, ni résolue. Donc, c'est pour ça, en fait, elle ne permet pas d'entreprendre une action. Pour faire une action, il faut avoir une permission de notre intellect. Sans permission d'un intellect, le mental, en général, n'agit pas. Sauf si la liaison entre le mental et l'intellect est coupée. Dans des cas pareils, le mental agit sans permission de l'intellect. Tu vois ? Donc la dépression, c'est comme ça. Prenons moi, j'étais le ministre de la culture, j'ai travaillé pendant 40 ans, j'étais très attaché, et aujourd'hui je suis viré et je tombe dans la dépression. Ok ? Donc, et je ne veux plus rien faire. Parce qu'en fait, pour faire quelque chose, je dois être ministre de la culture. Si je ne suis plus ministre de la culture, je ne peux plus rien faire. Mais mon intellect a aussi d'autres informations, que tu peux aller travailler, par exemple, dans la police, tu peux aller travailler dans la bibliothèque nationale, tu peux recevoir de l'aide de l'État, etc. Okay? Mais je n'ai plus d'accès à toutes ces informations. Pourquoi ? Parce que l'intellect est excité. Donc c'est pour ça qu'on a dit qu'en fait, l'excitation de tel ou tel ou tel sens peut provoquer incapacité ou rendre nul l'activité des autres sens. Merci. Il arrive à une question. Donc la question, c'est pourquoi le monde matériel existe ? Existe ? Pourquoi il existe ? La raison d'être. Sachez que monde matériel, c'est une très bonne chose. Parce que le monde matériel a résolu beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Et c'est un endroit où nous pouvons faire certains divertissements que nous ne pouvons pas faire sur les planètes Vaikuntha. Par exemple, pour jouer le divertissement de la mort des démons, Krishna se divertit dans le monde matériel. Donc, il ne peut pas faire ces divertissements, par exemple, à Goloka Vrindavan ou à Dvaraka. Vous imaginez à Dvaraka, Krishna tue un démon et le sang qui coule comme quand il a tué Hiranyakashipu. Vous imaginez à l'intérieur de Dvaraka, dans un palais, il y a ce divertissement et Sri Narasimha arrive et tue et tous les reines de Dvaraka voient ça. Elles ne peuvent plus vivre. Non? Elles ne peuvent plus vivre parce que ils vont se rappeler, pas seulement ça, mais aussi ils vont poser la question. Et notre mari,
notre époux. Comment il a permis pour que tout cela, ça se passe dans notre palais? Non? Parce que entre Dvarakadish et Krishna et les reines de Dvaraka, il y a une liaison conjugale. Et cette liaison conjugale, en fait, oblige Krishna d'assurer la propreté de palais, d'assurer le calme et la paix dans le palais. Okay? Et du coup, imaginez, je ne sais pas, Rukmini entend « Ah, oh !» et sort, il voit qu'une forme est venue avec la tête de lion et tue tout le monde. Et... Non. Il dit « Mais comment mon mari, il devait m'assurer ?» la vie tranquille, etc. C'est impossible. Oui. Donc, pour ça, ce genre de divertissement, Krishna fait dans le monde matériel. Comme par exemple, quand vous jouez au foot, vous allez sur le terrain de foot, n'est-ce pas? Vous ne jouez pas chez vous, où il y a la télé, l'ordinateur, la vaisselle, etc. Non? Vous ne jouez pas chez vous, là, parce que ce n'est pas l'endroit adapté. Donc, aussi, dans le monde spirituel, il y a certains sentiments qui ne sont pas adaptés. Donc, et pour ça, Krishna, en fait, fait une sorte d'expansion, une expansion de monde spirituel dans le monde matériel. Et en fait, ça lui permet de rester toujours dans le monde spirituel, mais géographiquement dans l'espace de monde matériel. C'est en fait tous les divertissements de Krishna dans le monde matériel, c'est comme dans le théâtre. En fait, l'expansion de monde matériel, de monde spirituel est comme si c'est la scène, ok, et le public c'est le monde matériel, ok. En fait, ils sont liés, mais personne de public ne monte pas sur la scène et personne de qui est sur la scène ne descend pas dans la publique. Okay? Et pourtant, ils sont liés. Donc, tous les divertissements de Krishna, c'est comme la scène avec les comédiennes et le public. Donc, on se voit, on est au courant qu'il se passe là-bas, etc., mais on ne se mélange pas. Donc, tous les divertissements de Krishna se passent à cette sorte. Et aussi, une des choses importante dans l'existence de monde matériel, c'est que l'âme peut sentir en fait le Vipralamba Bhava. C'est ici qu'on développe Vipralamba Bhava, le sentiment de séparation. Okay? Le monde matériel, c'est l'endroit idéal pour développer Vipralamba Bhava, le sentiment de séparation. Dans le monde spirituel, ce bhava est différent. Donc, il y a beaucoup d'autres raisons. Avec Krishna. Aussi, le monde matériel aussi, c'est un endroit où l'être vivant expérimente sans faire les dégâts dans le monde spirituel. Ici, par exemple, vous pouvez exploser des choses, etc., mais ça ne va pas influencer le monde spirituel. Ça reste là. Et l'avantage, c'est que le monde matériel n'accumule rien. Parce que le monde matériel n'est pas éternel, il n'accumule pas trop de choses. Dès qu'il y a une accumulation dans le monde matériel,
Krishna appuie sur le bouton reset, réinitialisation, et en fait, toutes les accumulations vont disparaître. Okay? Ça, c'est l'avantage du monde matériel. Et ça nous permet d'expérimenter de nouveau. Hein, par exemple, Brahma, chaque soir, quand il va, quand il va dormir, okay, pendant son sommeil, en fait, la moitié de monde, plus que la moitié du monde matériel, est dissous. Il disparaît. Et après, quand il se lève, de nouveau, il expérimente. Il expérimente, il commence à reconstruire de nouveau le monde matériel, mais sans accumulation. Sans accumulation de passé. Le passé reste juste dans le karma. Dans les formations de karma, mais il n'y a plus d'accumulation. Est-ce qu'on peut faire en conclusion que l'existence du monde matériel permet à Krishna, enfin, où il a créé afin pour prouver qu'il n'a aucune limite, mais en même temps sans toucher les sentiments des êtres vivants qui ne veulent pas expérimenter tous ces aspects. Que dans l'absolu, il y a la destruction, il y a la maladie, il y a la mort, il y a les douleurs, etc. Et en même temps, ceux qui ne veulent pas le savoir ou expérimenter, du coup, ils ne sont pas touchés par ça, et c'est aussi la miséricorde de Krishna. Donc, comme ça, par l'existence du monde matériel, il montre que tout est inclus en absolu, et en même temps qu'il garde cette volonté de jiva, ce droit de libre arbitre. En effet, pendant la conférence, nous avons parlé de la perception de maître vivant. Donc, en réalité, le monde matériel n'est pas matériel. Il est aussi spirituel, sauf que nous le percevons comme matériel, comme temporaire. Pourquoi ? Parce que pour nous, la chose existe quand elle est manifestée et elle n'existe pas quand elle n'est pas manifestée. Par exemple, je peux regarder et dire « le sol est propre ». Mais en réalité, il n'est pas propre. C'est juste ma perception parce que mes lunettes ne sont pas bonnes. Mais Jagatarini va regarder et dire « Oh, c'est trop sale okay ». Donc, parce que ce monde matériel est absolu pour Krishna et relatif pour nous. Donc pour Krishna, il ne peut pas être matériel. Okay? Mais en fait, c'est une énergie. Le monde matériel est formé par Maya Shakti, par l'énergie matérielle. Okay? Et cette énergie matérielle a ses propres divertissements avec Shri Krishna. Si vous observez comment petit à petit en fait les divertissements avec l'énergie matérielle se passent, vous allez voir qu'en fait Krishna garde une distance avec l'énergie matérielle. Et pour rentrer en contact avec l'énergie matérielle directe, il prend la forme de Seigneur Shiva pour avoir le contact direct avec Mahamaya. Mais Les autres êtres vivants voient ce monde temporaire parce qu'ils voient que chaque chose est détruite, chaque chose est née et est détruite de nouveau. Et cela, cette expérience lui permet de voir ce monde comme un monde temporaire. Okay? Mais aussi, quand je vois temporaire, qu'est-ce que je pense? Comme les gens disent, on vit une seule fois. Donc il faut qu'on mange assez, on boit assez, il faut qu'on fasse des bêtises assez,
parce que nous vivons une seule fois. Ça veut dire notre façon d'agir dépend de la perception de ce monde. Okay? Qu'est-ce que c'est la conscience de Krishna? C'est une possibilité d'effacer la conscience matérielle. C'est une autre forme de conscience, voir les choses telles qu'elles sont. Comme Krishna dit dans la Bhagavad Gita, la personne réalisée voit les choses telles qu'elles sont. Qu'est-ce que ça veut dire, voir les choses telles qu'elles sont? Ça veut dire, par exemple, je vois ce téléphone portable et je dis qu'en fait, lui, il va périr. Il va périr, mais les gens pensent que non, ne, mais il va périr, comme il va devenir obsolète. Qui utilise aujourd'hui les magnétophones avec des grosses bobines? Personne. Si tu montres à un enfant, tu dis qu'est-ce que c'est, il va regarder, il va dire je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Pourquoi? Il n'a pas cette expérience et ça ne s'utilise plus, il est devenu obsolète. Pareil, il y a des idées aussi qui deviennent obsolètes, ce n'est pas seulement des choses. Par exemple, l'adoration de Dieu. L'adoration de Dieu, dans la société actuelle, est devenue obsolète. Même, on dit, je suis chrétien, mais je ne pratique pas. Pourquoi? Parce que le pratiquer est devenu obsolète. Donc Dieu existe, moi aussi j'existe. On existe ensemble, à côté. On a une distance. Donc il est bien là, et moi je suis bien là. Donc il ne faut pas que Dieu se mette à mes affaires, moi je ne me mets pas à ses affaires non plus. On se respecte. Vous comprenez? Ça devient obsolète. Okay? Pourquoi? Ça, c'est notre perception de choses. Et la perception des choses dépend de la conscience. Okay? Et en fait, comme tu dis, libre arbitre est possible seulement dans un endroit. Dans un endroit où il n'y a pas de cette idée de libre arbitre, pas en vrai, parce que quand il y a la question de choix, l'homme choisit toujours la mauvaise chose, hein? Et on peut pas dire que c'est libre arbitre, parce que libre arbitre, ça veut dire choisir quelque chose qui est bien pour moi, et nous on choisit toujours quelque chose qui est mauvais pour moi, hein? Donc, dans le monde spirituel, nous choisissons ce qui est bon pour Krishna. Vous voyez la différence tout de suite. Et dans le monde matériel, nous pouvons agir comme un être libéré, comme un être réalisé. Et dans ce cas-là, monde matériel ne nous dérange pas. Il y a un divertissement aussi dans le monde matériel qu'on n'a pas dans le monde spirituel. C'est la prédication. La prédication de la conscience Krishna, c'est un divertissement pour le monde matériel. Même le mouvement de Harinam Sankirtana, etc., c'est aussi un divertissement de monde matériel. Là-bas, on chante, mais ce n'est pas un mouvement spécial pour sauver les vies, etc., parce que tout le monde est sauvé. Hein. Mais ici, c'est un divertissement, hein, une sorte de divertissement. Hein, aussi comme prédication. Hein. Parce que à qui tu vas prêcher dans le monde sur les Vaikuntha? À qui vous allez prêcher, hein? C'est un divertissement purement pour le monde matériel. Fini? Oui. Ok. Hare Krishna. Merci beaucoup, cher dévot. Shishimad Bhagavatam ki jai. Shila Prabhupada ki jai. Toute gloire aux dévots assemblés. Hare Krishna.